Bonjour à tous. À 22 ans, Jean-Claude Larcher se convertit à l'orthodoxie. Aujourd'hui, il est patrologue et théologien orthodoxe français de renommée internationale, docteur en philosophie et docteur en théologie de l'Université de Strasbourg. Il est l'auteur d'une trentaine de livres traduits en 17 langues. L'œuvre de Jean-Claude Larcher est dominée par les questions d'anthropologie. Il revient cette fois-ci présenter un essai sur les nouveaux médias, malades des nouveaux médias. Bonjour Jean-Claude Larcher. Bonjour. Donc en moins de 20 ans, les nouveaux médias ont fait une invasion dans notre société. Alors avec des conséquences, et vous nommez ça le colonialisme numérique, et qui a donné naissance à un nouveau type d'individu, l'homo connecticus. Alors forcément, cette invasion, elle a modifié profondément le comportement social. Oui, alors elle a modifié le comportement social, c'est très, très visible, mais elle modifie aussi profondément notre fonctionnement interne, notre façon de penser, notre façon de vivre le temps, toutes sortes d'éléments qui se rattachent à notre vie psychique et intellectuelle, notre capacité d'attention, notre capacité de concentration, la manière même dont nous pensons, et toutes ces conséquences, effectivement, ont contribué à créer un nouveau type d'homme que j'appelle l'homo connecticus, l'homme connecté. Et cet homo connecticus devient quelque chose de dominant dans notre société. Alors vous dressez une liste incroyable de pathologies qui sont liées aux nouveaux médias. Est-ce que c'est des nouvelles pathologies qu'on peut traiter ou est-ce qu'on va vers un nouveau type d'individu ? Alors, en principe, toutes les pathologies peuvent se traiter. Et justement, si je les ai décrites si longuement et si soigneusement, c'est pour qu'on en prenne conscience et qu'on commence à les traiter dans les cas où elles sont vraiment patentes et bien installées, ou du moins que l'on s'en protège. Et je dirais qu'une des raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre, c'est la protection de la jeunesse, parce que les adultes qui n'ont pas toujours vécu dans ce monde ont gardé par rapport à ces nouveaux médias un certain recul, mais les jeunes qui commencent à vivre dès leur plus jeune âge dans ce monde n'ont pas le recul nécessaire si on ne leur apprend pas à l'acquérir. Et donc il est vraiment vital de savoir se protéger, se préserver pour éviter que les maladies s'installent. Est-ce que c'est peut-être une science qui pourrait rentrer dans les écoles, est-ce qu'on pourrait, parce que je vois mal comment que les parents aujourd'hui, qui sont parfois eux-mêmes hyper connectés, peuvent enseigner à leurs enfants de veiller à ne pas se servir trop des nouveaux médias. Alors, je pense qu'il est vraiment vital que justement ce soit les parents qui s'occupent de cette éducation, parce que malheureusement les parents ont parfois tendance à favoriser l'aliénation, ce que j'appelle l'aliénation, le renoncement à soi au profit des nouveaux médias, parce que ça les arrange très souvent que les enfants soient tranquilles devant la télévision ou soient occupés sur leurs écrans. Mais ils doivent bien prendre conscience justement que c'est quelque chose qui, au lieu de former les enfants, souvent aboutit à les déformer, à réduire leur performance scolaire, à réduire leur capacité d'apprentissage social. Et donc, justement, j'ai en partie écrit ce livre à l'intention des parents pour qu'ils apprennent à gérer les choses au niveau de leur mode d'être éducatif. Et je crois que c'est vraiment possible d'instaurer un apprentissage qui permette aux enfants d'abord de limiter leur temps d'utilisation de ces médias, mais aussi qui les aide à organiser leurs choix. Et évidemment, je n'ai pas écrit ce livre pour rejeter complètement les nouveaux médias, mais justement pour apprendre à en faire un meilleur usage, pour poser des limites, pour mieux orienter la façon de s'en servir. Et je pense que les parents ont un rôle vraiment fondamental à jouer. Et je signale à la fin du livre quelque chose qui est très caractéristique, c'est-à-dire que tous les dirigeants des entreprises qui fabriquent ces médias, qui les diffusent, sont extrêmement vigilants à protéger leurs propres enfants d'un usage prématuré ou excessif des écrans.
Et on parle justement des rythmes scolaires, soi-disant, qui fatigueraient les enfants, mais ce sont peut-être plutôt l'utilisation des nouveaux médias qui créent une fatigue supplémentaire. Alors oui, ça, on observe le fait que les enfants sont épuisés souvent en rentrant de l'école et quelques heures après, non pas de l'école elle-même, mais de s'être dispersés dans l'utilisation de ces appareils qui, chacun peut le constater, mobilisent énormément d'énergie et sont très vite épuisants. Alors donc, vous parlez de ces nouvelles pathologies qui sont liées aux nouveaux médias, tels que par exemple le burn-out, mais il y a aussi des incidences à tout niveau sur la lecture, sur l'écriture et un nivellement vers le bas. Est-ce que Internet et les nouveaux médias, est-ce que ça rend bête ? Écoutez, il y a un livre extrêmement... qui a rencontré un très grand succès aux États-Unis, qui a été écrit par Nicolas Carr, que je cite assez souvent dans mon livre, qui s'intitule « Internet rend-il bête ?». Et effectivement, il démontre combien ça altère, ça affaiblit, ça diminue les capacités intellectuelles des gens, parce que ça crée des modes de fonctionnement mentaux, intellectuels, qui sont destructifs. Par exemple, celui de la lecture que vous avez cité et qui est particulièrement important dans le cadre de votre émission littéraire, on voit très bien qu'il y a une différence énorme de lecture sur les écrans et de lecture dans un livre. Il y a des chercheurs évidemment qui se sont intéressés à la question, qui ont fixé des caméras sur des ordinateurs pour voir comment ceux qui lisent sur les ordinateurs lisent, et en observant le fonctionnement des yeux, tout simplement, on voit très bien que la lecture d'une page sur écran se fait de la façon suivante. On lit d'abord les deux premières lignes, ensuite on va en diagonale vers le milieu de la page, on lit les deux premières parties des lignes suivantes, puis ensuite on redescend vers le bas, on lit la dernière ligne et on passe à la page suivante. Et donc c'est une lecture qu'on peut qualifier de lecture en balayage, superficielle. Quantitativement, on paraît lire normalement et même parfois beaucoup, mais en fait c'est une lecture qui ne laisse pas de traces et qui en plus est une lecture, si vous voulez, qui est dispersée par tous les liens que contiennent les pages, par les widgets, les images, par les vidéos. Et donc c'est quelque chose qui, au lieu de recentrer l'esprit, le disperse en permanence. Alors, ce qui avait vocation à rapprocher les hommes, à créer un village planétaire, à rompre la solitude, laisse le sentiment de les séparer encore davantage. Écoutez. Paradoxalement, la possibilité offerte par les nouveaux médias de joindre et d'être joint à tout moment, la création de réseaux sociaux permettant de mettre en relation instantanée et permanente chacun de leurs membres avec des dizaines, des centaines, voire des milliers d'autres devenus leurs amis, la multiplication des contacts et des messages, et donc l'hyperconnexion et l'hypercommunication instituées par tout cela, se sont traduites par une réduction et un appauvrissement de la communication des personnes réellement en contact dans leur environnement concret, et a même abouti, dans beaucoup de cas, à isoler l'individu plus qu'il ne l'avait jamais été. Alors, avec les nouveaux médias, on a le sentiment, effectivement, tout va très vite. On a aussi le sentiment de gagner en temps et en liberté, en réalité. Mais en réalité, on perd en tout, c'est-à-dire on voit combien le temps s'accélère et combien, en fait, plus on a l'impression de gagner du temps, moins on en a. On voit très bien aussi comment le fait d'être joignable en permanence sur le plan professionnel prive beaucoup de travailleurs d'une partie de leur temps de loisir jusque dans leurs vacances. On voit très bien comment il n'y a plus de temps mort, il n'y a plus ces temps qu'on appelle mort, mais qui sont tellement nécessaires à la vie pour se ressourcer, pour faire retour à soi, pour réfléchir, pour méditer. On voit combien aussi toutes
les vraies relations, les relations concrètes entre les personnes sont brisées par l'usage de ces nouveaux médias qui isolent chacun sur son écran. Et chacun d'ailleurs a l'expérience de voir les couples, par exemple, au restaurant, qui sont chacun rivés à leur écran, ou dans une famille, chaque membre de la famille rivé sur son smartphone ou sur sa tablette. Et on voit très bien comment ce monde qui est censé être un monde qui favorise la relation, en réalité, la détruit, et notamment en substituant des relations virtuelles et superficielles aux relations réelles et profondes. Comment est-ce qu'on va faire pour guérir de ces nouveaux médias ? Quel doit être notre comportement ? Je crois que beaucoup d'analystes pensent que bientôt c'est un vrai changement de société qui devrait s'imposer, parce que la société est en train de se formater relativement à ces médias. Mais je pense que la solution évidemment la plus courte, la plus accessible, c'est d'organiser une sorte de cordon sanitaire autour de soi-même et autour de sa famille, et surtout de prendre vraiment conscience des dangers et des risques de ces médias que je décris en détail dans mon livre, pour justement savoir comment on peut arriver à s'en protéger. Et vous parlez aussi de la perte de qualité de l'information, notamment au niveau scientifique, au niveau littéraire. Donc il y a toute cette perte de qualité de l'information que vous évoquez aussi. Oui, parce que, si vous voulez, une des caractéristiques des nouveaux médias, c'est le travail dans la rapidité et l'immédiateté. Donc l'information est donnée maintenant sans réflexion préalable, d'une manière beaucoup plus émotive que réflexive. Il y a une perte de qualité au niveau de la qualité de l'information, parce que chacun sur les forums ou sur d'autres sites peut s'exprimer même s'il n'est pas qualifié. Chacun donne son avis et il n'y a plus, si vous voulez, cette hiérarchie du savoir qui s'exprimait dans les moyens de diffusion traditionnels du savoir et qui permettait de juger de la qualité des informations diffusées. Voilà, je vous remercie beaucoup, Jean-Claude Larcher, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, « Malade des nouveaux médias », c'est publié aux éditions du Cerf. Je vous remercie de m'avoir reçu. Voilà, et à très bientôt, entre les lignes.